Yo! <coughs> oh. Bon, ce soir, ce soir, on fait le cours sur le JPT. On va le reprendre, parce que j'ai déjà commencé dans mon coin. Là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est le faire ensemble, si ça vous intéresse. <coughs> oh. Donc ouais, le JPT qui est une certification fournie par, enfin fournie donnée par e-learning et, euh... et qui commence à être reconnue. Donc le JPT c'est pour Junior Penetration Tester, c'est ce qui est marqué ici. Et ouais c'est donné par, enfin c'est donné, c'est une certification proposée par e-learning security. Et ça a l'air pas mal. Pas trop compliqué, celle-là hein. c'est celle, celle d'entrée. A droit tous les outils, être très bourrin et le et l'examen c'est un QCM qui dure 3 jours. En gros, as une question, à côté as une VMAPT. Et on te pose des questions, il faut trouver des solutions sur la machine. Dans le fond, rien de très très compliqué. Euh, en plus on aura tous les outils, et les questions sont forcément orientées, donc on sait ce qu'on doit chercher. Donc, donc en vrai, ça semble, ça semble très abordable comme certification. L'objectif, c'est qu'on se farcisse le cours, les, 30, les 40 heures de cours, je crois qu'il y a. 38 heures et 13 minutes de cours. Euh, 80 slides, ça va être un petit peu lourd. Euh, 3 cours, 30 vidéos. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est les 19 labs. C'est voir du coup sinon on peut le, le faire ou pas. J'ai pas encore testé les labs. Le premier c'était un laboyer shark. Enfin, on va repasser dessus rapidement. Le premier c'est un, un laboyer shark pour tester du coup les, la différence entre HTTP et HTTPS. Donc, dans un coup on va voir, on va voir nos crêtes passer. Dans un autre on va pas les voir vu qu'ils vont être chiffrés via SSL, TLS. Euh rien de très sorcier ni même très compliqué mais c'est juste une première approche de ce que peut être la sécu, c'est-à-dire l'écoute du trafic. On se met dans un réseau Wi-Fi, on écoute, on attend de voir ce qui se passe. Et euh, donc voilà, ouais, donc pour info, on peut faire ça en même temps que moi. C'est gratuit l'inscription et l'accès au cours aussi est gratuit. C'est juste le passage de la certification qui est payant. Et en gros... Euh... Je ne sais pas comment faire ça. En gros, si je veux ajouter la certification, ça va me coûter 200 balles. Mais quand je clique sur Training, donc qui est l'entraînement, en gros, on arrive directement sur le cours en fait là. Et donc vous pouvez le faire. Voilà, donc je vous mets un, un petit lien si vous voulez le suivre. Sachant que je rappelle, hein, c'est gratuit. Il euh, y a seulement la certification qui, elle, est payante. Donc ça n'empêche pas que vous puissiez le, le faire en autant que moi. Par contre c'est tout en anglais. Donc il va falloir le suivre. Et je vais pas tout traduire. Parce que ça peut être très chiant. Mais au moins ça peut montrer. Euh, vous faire monter en compétence sur des sujets. Moi ça peut me faire monter en compétence aussi. Euh, surtout me remémorer des choses. Parce qu'on Je pense qu'on va rien voir de plus que ce que j'ai pu voir en cours. Mais euh, mais c'est pas forcément très récent, mes souvenirs. Comment on aura un, un petit rappel Ce qu'on va faire à côté, c'est qu'on va prendre des notes. Je viens de penser à ça. On va ouvrir Atom, comme d'habitude, et on va se créer un petit répertoire. On va se le créer où, ce répertoire Dans Tech. On a déjà un répertoire EJPT dans Tech. Ah oui, j'ai le User Guide. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va document tech et on va ajouter jpt dedans et ce qu'on va faire c'est qu'on va se créer un nouveau fichier qui va s'appeler euh, christenote.md voilà et on va se noter un peu tout au fur et à mesure Alors, cours jpt cours jpt voilà Clic. Donc là j'ai une VM de lancer, euh, j'ai mis le cours dessus, mais je pense qu'on va s'en passer pour l'instant. Euh, dans le sens où le cours on a accès directement sur un, un navigateur de recherche. Enfin un navigateur internet plutôt. Et un moteur de recherche. J'ai mélangé les deux. C'est marrant. Euh, donc ouais, on peut, on peut suivre ça tranquillement en dehors de la VM. On va pas se faire chier à, à, à virtualiser tout ça. Attendez, je réouvre mon cours du coup. Il est là. Il me faudra un troisième écran. Trop petit deux, deux écrans. Là j'ai mes notes, je vais les foutre. Alors où est-ce que je vais les mettre Je vais les mettre là. Parce qu'en fait là sur mon écran de gauche, ce que vous ne voyez pas. Non, vous ne voyez pas. Mais en gros à gauche, du coup j'ai mes prises de notes et j'ai le chat. Donc ça je peux vous répondre. Bon, bah on va commencer hein, tranquillement, on va faire, je pense, une heure et demie, deux heures. Parce que ça va être chiant. Je ne vais pas vous mentir. Hein. Ça va être euh, tout en anglais. Donc là, on, on peut traduire la, la page ici. Hein. On peut traduire en français, mais ça ne veut dire que ces pages-là, après, dès qu'on rentre dans un, dans un cours, on passe sur des slides et on ne peut pas traduire des slides. Donc euh, accrochez-vous, ça va bien se passer. N'hésitez pas à suivre ça en parallèle. Parce que comme je vous ai dit, moi je vais pas forcément tout vous traduire. Je vais, je vais juste traduire les grands concepts qui seront abordés. Mais si c'est un peu technique, je vais pas forcément entrer dans, dans le détail vu que mes traductions vont pas forcément être non plus très précises. Et donc ça sert à rien que je vous, euh, que je vous traduise de la merde. Parce que je pense que je vais comprendre les choses en anglais, parce que j'ai pas un niveau normalement qui est trop trop mauvais, mais après c'est la traduction qui est, qui est plus complexe. Voilà. Euh... Ok, ouais, le début il sert à rien, franchement. Alors on, va, on va passer vite fait dessus, hein. mais ça, ça nous parle un peu du champ de la cybersécurité. Euh, Qu'est-ce qu'on y fait, quels sont les métiers, etc. Ensuite, ça parle de chiffrement et d'accès VPN. Alors, c'est pas du tout technique, ça. On peut aller le voir, hein. c'est tout sauf technique. Euh, oui, j'ai déjà fait ça, mais. En gros, ça explique. Clic, clic, clic. Euh, ok, sans s'en fout. Il nous, il nous explique pourquoi est-ce qu'on parle de, 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 donc de cryptographie. Euh, parce que en gros, derrière, on introduit le concept de VPN et donc d'accès à distance sur une infra via un tunnel sécurisé donc chiffré. On parle aussi de texte en clair, donc tout ce qui est HTTP par exemple. C'est où? c'est Là, et en gros, ce qu'on peut faire, c'est que si on fait du, du man in the middle, en gros, le mec il pourra voir tout ce qui se passe. Par contre, si derrière on chiffre, <coughs> bah, en fait, le mec il va envoyer salut, salut le serveur, moi c'est Alice, et le mec qui fait un man in the middle, il pourra rien voir. C'est un peu le principe d'avoir des d'avoir de l'HTTPS bon, avec toutes les, les mesures et les grandes guillemets qu'on hein. est autour, mais c'est le principe d'avoir ça sur son site. Ça évite que si quelqu'un est dans son réseau, euh, typiquement vous allez chez McDo. Alors, je sais pas comment écloser le réseau chez McDo, mais je pense très très mal parce que c'est McDo. Hein. Mais en gros, vous allez chez McDo, vous vous connectez, vous lancez votre et vous verrez plein de choses passer. En gros, c'est ça. Ou dans un train, ça marche bien aussi. À l'hôtel aussi. À l'hôtel, c'est magnifique. Vous vous mettez euh, à l'hôtel, vous vous connectez au réseau Wi-Fi et vous écoutez le réseau. Et euh, alors, en termes de légalité, je sais pas où on se place. Sachant qu'on fait que de l'écoute. On ne fait rien de grave, je pense. Mais moi, ça m'est déjà arrivé. Et puis, c'est vrai que dans les trains, surtout, avoir des choses passées, c'est assez chaud. Bref. Je ne en... vous en dis pas plus. Bon, et du coup, ça nous explique brièvement ce qu'est le, le VPN. Et en gros, comme on peut le voir sur ce dessin-là, ici, c'est vraiment un tunnel dans lequel toutes les données vont être chiffrées. Et, euh... et en gros, on va communiquer. Communiquer directement avec une ou des machines. C'est ça le, le principe un peu du, du VPN, euh, un peu comme quand on fait des environnements comme quand on tape des environnements comme Hack The Box par exemple. C'est-à-dire qu'on a des machines qui sont souvent 10.10.10. .10 .10. quelque chose, et nous depuis l'extérieur on n'y accède pas. On lance le VPN, ça nous crée une nouvelle interface qui va avoir une IP moi c'est 10 10 14 13 et qui est en slash 16 donc du coup je peux taper sur les machines de sur les machines du de hack de box via du coup ce, ce fameux vpn euh, donc c'est un peu ce principe là et ensuite on nous dit que bah on peut quand même essayer d'écouter le réseau et pour cela on, est, on utilise Wireshark voilà quand je vous disais que ça servait pas grand chose ce sera pas trop grand chose. L Introduction à Wireshark, on va la sauter, vraiment. Euh, c'est pas que c'est mal foutu, mais c'est que c'est pas pertinent. Dans le sens où on sait déjà... Enfin, je sais déjà comment utiliser World Shark. Je l'utilise pas bien, mais je l'utilise. Sachant que l'introduction... Voilà, elle s'arrête là. Hein? Donc c'est fini. Euh... Ensuite, je crois que c'est l'écoute du réseau. Alors oui. Ça c'est un lab. Ça on s'en fout. Ce qui nous explique en gros, c'est qu'on a un format de contact, que quand on en Shark et qu'on est sur la partie HTTP, on voit les crêtes en clair, ce qui est logique. Euh, par contre, dès qu'on accède sur la partie qui est en HTTPS, bah, du coup on voit plus rien. Enfin, du moins, on voit les choses, mais elles sont chiffrées. Ce qui est logique, c'est le principe de, de SSL/TLS. Et donc là, ce que j'ai envie de faire, par contre, c'est de tester la connexion. Alors, je crois que c'est une vidéo encore ça. Hein. Et bienvenue la série que nous appelons lab Zero, ouais ouais c'est cool continuing series we Labs So, we're lab was generated, these servers for you to go sniff that traffic. Well, hmm. actually gonna do that here. OK. Tout simplement. Et donc là on va tester leur labo. On va démarrer le labo. Alors là, j'aurais dû le démarrer par contre. Euh, je vais le stopper. On va le faire sur euh, la VM, par contre. Parce que vu qu'on va taper sur l'environnement, et je pas forcément le recharge sur ma machine, on va, on va passer par là. Ce sera beaucoup plus simple. Euh... Ah bah, je l'avais fini. Ok. Bon, on attend. Ah non, je l'ai marqué en tant que fini. Là, ça démarre. Donc, Donc on télécharge les fichiers VPN. Donc on a un point OVPN. On va sauvegarder derrière. Donc là on voit qu'on a un identifiant et euh, oui j'ai le date. Toujours garder à jour son shell, très important. Donc là je vais aller dans téléchargement LS. Donc j'ai bien mon fichier ici. Donc, on va faire un sudo open euh, open vpn de ça mot de passe en route enter odd username. Donc, c'est ce qui est là. Euh, oh, donc, ça, c'est mon mot de passe. Oh là là, ça part encore, Clac. Donc là, il tente de se connecter et il est connecté. Donc, normalement, on peut taper sur cet environnement-là qui est en HTTP. On peut vérifier ici. Connexion non sécurisée. Et, et, et normalement, on devrait pouvoir voir qu'il n'y a rien du tout. Connexion non not encrypted. Donc il n'y a pas de chiffre. Hein mais par contre si on tape sur l'autre environnement ici donc là c'est un certificat auto-signé, c'est ça donc en fait on va avoir de la gtps mais on va avoir un cadenas chelou parce que c'est pas un certificat émis par une autorité de certification donc en fait c'est un certificat qui fonctionne mais qui est pas vraiment reconnu par les navigateurs donc c'est pour ça qu'on a souvent ce petit cadenas quand on est sur des sites un peu euh, comment dire des sites qui n'ont pas forcément de gros budget. Que les gens ne vont pas acheter un certificat. Ils vont plutôt faire un certificat auto-signé. Auto et on arrive du coup sur des... il n'y aura pas de faille. à moins hein. enfin, que le mec derrière fasse des trucs dégueux. C'est assez rare. C'est juste qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter un vrai certificat et de le faire signer par une vraie CA. C'est pour ça. Bon, euh, maintenant. Comme je vous disais, on va lancer Shark. Ça C'est juste pour vous montrer... Là-dedans, on ne va pas apprendre grand-chose si ce n'est que de, que de voir en fait nos crêtes se passer. Alors, je pense qu'il nous a créé un nouveau truc, voilà, donc c'est « Tab 0 ». Donc, on va écouter là-dessus, double-clic, double-clic, clac, et donc on va le garder à côté si je mets A AA et a et que je fais dans le save qui si on arrête et qu'on regarde un peu ce qui s'est passé on a une requête post ici alors je sais pas si je peux zoomer non bon, c'est pas grave. en gros on a un post ici et euh, si on regarde ce qui se passe un peu là dedans euh, le contenu il est pas là voilà on voit qu'ici on a un user pass et on voit qu'on a marqué enfin, qui est marqué ce qu'on a rentré. Bon, jusqu'à là c'est normal. Hein. Est-ce que je peux clear tout ça Non. Supprimer. Non, il n'y a pas supprimé. Quel dommage. Par contre, si on regarde ici. Ah, je ne sais pas écouter. Don't save. Back to login. Euh, continue without saving. Et là, on est sur une partie qui est chiffrée. Et ça se voit. Parce qu'on a du TLS 12 Donc, euh, chiffrement. Et, euh, et donc voilà, en fait, on va peut-être pouvoir voir passer un post. Et c'est même pas sûr. On va juste voir des application data. Donc, des données de l'application qui vont transiter. Et c'est tout. On verra rien là-dedans. Par contre, si on récupère le handshake. Donc, c'est-à-dire qu'avant on envoie en fait notre euh, nos données au serveur pour vérification le client le client va envoyer une requête enfin euh, c'est un forward and check je crois dans le, dans, le, dans le TLS et en fait on peut récupérer entre ces échanges en fait la, une partie de la clé et on peut la brute force pour trouver la clé entière donc ça c'est plutôt euh, plutôt intéressant ça se fait souvent en CTF de brute force. Donc pour pouvoir déchiffrer en fait les données. Mais là on voit qu'on n'a enfin on pas l'air d'avoir. Ah si. Ah non, il non, n'y a pas, pardon. Normalement quand on vient ici, on peut récupérer les handshake, mais là on ne l'a pas. Il faudrait que je trouve des exemples de ce que je raconte, ça serait beaucoup plus parlant. Mais voilà, donc en gros on a lancé shark, on a vu qu'on a HTTP, ce qui était logique, on voit nos données quand on se connecte de chiffrement par contre quand on lance sur un formulaire avec du SSLTLS du chiffrement mis en place les données ne, ne transitent pas enfin on ne voit pas les données ou plutôt on les voit mais elles sont chiffrées salut s8 comment tu vas euh, du coup le programme ce soir les gars c'est le cours sur euh, sur le JPT c'est du cours en anglais je vais faire quelques petites traductions mais pas beaucoup n'hésitez pas à suivre ce cours si ça vous intéresse, sachant qu'en plus l'accès le... au cours est gratuit. Donc on est sur, euh, sur ceci. J'ai créé une commande. Euh, une commande bot. Genre point d'exclamation JPT, comme ça vous accédez directement au lien. Euh, ça sera beaucoup plus simple. C'est où pareil. Non. C'est là. Euh, alors, Cloudbot. Il est là. Commande. faut juste que je récupère la racine. Je crois que c'est ça la racine. Non, c'est pas ça. Ça doit être ceci. alors attendez je l'ai sauvegardé donc ça va aller plus vite voilà euh, alors on va créer une commande qui va s'appeler point d'exclamation jpt et le lien est là. confirmé et normalement si je fais ça voilà et je l'ajoute dans le titre euh, point d'exclamation JDVT. On va espacer ça comme ça. C'est bien mis en avant. Fermé. Ok, on est bon. Comme ça, vous avez le lien si vous voulez suivre. C'est gratuit, je le rappelle. Hein. Et donc là, on a fini ce petit labo. Qui n'était euh, pas très pertinent, mais. Hop, on va. La connexion en carton. Donc là, c'est fini. Et ensuite, ça, j'ai fait vite fait aussi. C'est. Euh, comment dire C'est les opérations ar arithmétiques en binaire. Genre, en gros, on voit que 0 plus 1, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 0. Enfin, ça fait 10 plutôt etc, etc, on voit les OU, les N, d'Exor, etc, etc. C'est intéressant, mais c'est pas assez à pousser pour comprendre toutes les choses. Euh, donc si je reviens en, en arrière, il bon, y, y a 35 pages, on va passer vite fait dessus. Hein. Je mets ça en full screen, comme ça. Ah ouais, c'est pas mal, là. Vous pouvez bien suivre. Euh, donc, pourquoi est-ce qu'on on voit ça, ou on revoit ça parce que c'est comme ça que communiquent les ordinateurs, hein. c'est des 0 et des 1. Nous on écrit du Python ou du, du C, enfin on écrit du C par exemple, mais derrière le, ce que l'ordinateur comprend c'est des 0 et des 1. Donc en fait c'est pour ça que c'est important de comprendre. Euh, donc les 0 et les 1, on a parlé. Euh, donc le décimal c'est 10, le binaire c'est 2, l'hexa c'est 16, euh, l'octal c'est 8, etc. etc. Euh. Et donc on. Ouais, bon là en gros il dit que quand on compte de 0. Enfin, le bas niveau, c'est ça. Il dit que quand on compte en, en binaire, en gros on va de 0 à 9. Et passer 10, en fait on repasse à 0 mais on incrémente de 1. Donc on fait 9, puis 9 on repasse à 0 et on met un 1 devant. Etc, etc. En binaire c'est pareil. On fait 0, 1. Arrivé à 1, on repasse à 0, mais un 1 devant. Etc, etc. 16 c'est pareil, hein. Donc là, rien, rien de très nouveau. Ce que je vous disais, hein, 1 plus 1, ça fait 10. Bon, ça fait 3, mais c'est des deux puissances. Donc là, on va avoir un 0. Donc c'est 2 puissance 0 plus 2 puissance 1. Donc 2 plus 1, ça fait 3. Etc. Etc. Euh... Non, 2 puissance 0, ça fait 0. Donc ça, ça fait 2 puissance 1. Ça fait juste 2. Arrêtons de compliquer les choses. Et donc 111 plus 1, ça fait 1000. Sachant que c'est du binaire. Euh... Donc ça c'est un peu si on compare en fait le si on compare les décimales et les binaires, hein, 0, 1 arriver à 2, bah, nous on a 10. arrivé à 6, bah, nous on a 110. Et arrivé à 10 en décimal, nous on a 1000 et, euh... et donc là en fait on peut convertir ça, enfin le binaire en décimal avec des 2 puissances quelque chose. Le chiffre qui sera à droite c'est le bit de poids faible, donc c'est 2 puissance 0. Et ensuite on a 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3, 2 puissance 3 ça fait 8, plus 2 ça fait 10, et donc on a bien notre 10 ici. Voilà. Salut là, -like, comment tu vas Donc là c'est pour expliquer comment est-ce qu'on convertit notre euh, notre comment dire un chiffre en base 10 en binaire. Donc là il a pris dans l'autre sens. On voir hein. Et En fait, ça correspond à 3 fois 10 puissance 0 plus 9 fois 10 puissance 1 plus 2 fois 10 puissance 2. Donc, ça c'est la petite conversion. Euh... Enfin, c'est le début de la conversion parce que là on n'a pas du binaire à la fin. Euh, pour convertir en binaire, il faudrait faire des divisions par 2. Alors, je me rappelle plus très bien, mais genre si c'est le reste, il est et après, comment dire. On prend notre chiffre, on le divise par deux successivement, et on part d'en bas et on remonte. Je crois que c'est un truc dans le genre. Mais réellement, on fait ça en ligne maintenant, on ne fait plus chier. Et là, pareil, c'est comment convertir notre, notre chiffre, enfin notre binaire, exemple, qui vaut 1101, en, en base 10. Et bien, on fait la somme. C'est-à-dire que là, on a 2 puissance 0. Euh. Enfin 1 fois 2 puissance 0, 0 x 2 puissance 1, etc., etc. On fait la somme, ça fait 13. Et là, ok. Euh, mm, ouais, c'est ça. On tire en revient en source avec les conversions. Ouais, mais en fait, on reprend le cours. Enfin on, reprend, on prend le cours de l'EJPT. Euh, donc cours gratuit, euh, point d'exclamation, EJPT si tu veux suivre. Et on a un petit, un petit retour en source avec le, les conversions binaires. Donc pourquoi pas en Plus ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, alors pourquoi pas s'en rappeler ça genre maintenant c'est vrai qu'on a tout qui est, qui est en ligne. Donc on, on se fait plus chier à savoir que je sais pas genre 128, ben en fait c'est deux puissances de quelque chose quand on convertit quoi. Donc on, on s'en, fou... bon, pas qu'on s'en fout un peu, mais c'est moins important je pense de, de connaître exactement comment convertir en binaire ou en décimal ou en ou en exa même si ça reste des fois très pratique de, de tout connaître par cœur. Et oui, donc là ce que je vous disais, c'est pour convertir euh, par exemple 13 en base 10, on veut le convertir en base 2, mais en fait on fait des divisions par 2 successives. C'est-à-dire que je prends 13, je divise par 2, donc ça fait 6, mais il me reste 1. Et ensuite on lit dans l'autre sens. Donc, on a tout divisé, hein, On lit dans l'autre sens. Ça fait 1, 1, 0, 1, c'est ce qui est marqué là. -haut. Euh, ok, ok, ok. Donc là, on voit le note. Donc le note, il inverse, en fait, tout simplement. Un 1 devient 0, un 0 devient 1. Le end, il faut qu'il y ait les deux bits qui soient à 1. Donc si on a 0 et 1, bah, ça fait 0. Et qu'on a 0 et 0, ça fait aussi 0. Par contre, 1 et 1, ça fait 1. On a le ou. Le ou, il faut au moins qu'un des deux chiffres, enfin un, un des deux bits soit à 1. C'est-à-dire que si on a deux zéros, comme à la position numéro 2 ici, ça va faire 0. Par contre, si j'ai 1 ou 1, ça va faire 1, ou 0 ou 1, ça va faire 1. C'est un ou. Alors le XOR, c'est le ou exclusif. C'est seulement l'un ou l'autre. C'est-à-dire que si on a 1 et 1, ça va faire 0. Par contre, si j'ai 0 ou 1, j'aurai un 1. Et de même, si j'ai 1 ou 0, ça va faire 1. Si j'ai 0, 0, ça fera 0 toujours. Euh, ouais, donc là c'est ce qu'on nous dit, hein. du coup, calculatrice en ligne, ça marche très bien. Pareil sur Windows. Et on peut compter sur nos doigts, un peu la flemme. Euh, là maintenant c'est la partie hexadécimale, donc on va 0 à 9, puis après on fait A, B, C, D, E, F. Euh... Voilà, et après F, on passe à 10, 11, 12, 13, 19, 1A, 1B, etc. etc. Et c'est comme ça qu'on compte. Euh, ok. Bon, là, c'est comme dit. Hein, le chiffre le plus haut, du coup, pour nous, c'est un F en base 16. Et en base 10, bah, c'est un 9. Tout simplement. Mmh. Et oui, et euh, vu que des fois, on peut avoir 12. Par exemple, 12 en hexa, c'est différent de 12 en, en base 10. bah Du coup, on met soit un 0x ça arrive souvent quand on fait du reverse et tout ou alors on met 12h pour préciser la base le h étant euh, étant le l'orientation en fait de, de de la base hexadécimale euh, et donc voilà et donc par exemple si vous, si vous croisez un 0x10 bah c'est pas 10 hein, c'est juste 10 mais en hexa et, et pareil pour 44h c'est pas genre un numéro de bâtiment, c'est euh, de l'hexa. Euh, ok, on s'en fout. Et donc là quand on prend des chiffres qui sont plus grands en hexa, hein, donc on peut l'écrire 0x3A ou 3A1. Enfin 0x3A1 ou 3A1H. C'est dur à dire par contre. Hein. Donc voilà, c'est pour rappeler qu'on peut faire du 0x ou du H. Mais on parle de la même chose. Euh, non, 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 non. Ok, et là c'est comment on convertit C'est un peu une merde pas possible, mais en gros c'est des puissances de 16. Euh, donc là on a 0, 1, 2. Ah merde, j'ai cliqué. Donc en fait on va avoir 1 x 16 puissance 0 plus a x 16 puissance 1 plus 3 x 16 puissance 2. Et donc, ça fait, la, ça fait 929 en base 10. Sachant que A s'équivaut à 9 plus 1, donc ça fait 10. Je vous rappelle, en hexade, on va de 1 jusqu'à 9, puis ABCDEF. C, D, E, F. Donc A, du coup, c'est 9 plus 1, ça fait 10. Et la conversion... Conversion, c'est comment Et j'y Tu l'as passé en plus, Mathias. Est-ce que le cours est intéressant Est-ce qu'il est pertinent Ça, c'est la division. Du coup, on divise tout par 16. Et on... On multiplie la fraction, enfin, le, le résultat décimal, enfin, flottant plutôt, par 16 pour avoir un arrondi, du coup, de la valeur. C'est ce que je comprends. Honnêtement, tu peux te passer du cours. Ok. On va, on va le passer assez vite, hein, c'est ce que je disais euh, on va le passer vite, l'objectif c'est pas que enfin, je repasse sur tout sachant qu'en plus, enfin, surtout si je il y a des choses que je connais on va repasser vite fait dessus mais euh, on va pas s'attarder dessus non plus quoi. Euh... ça ça nous explique comment calculer en exa, réellement euh, on s'en fout un peu nous, ce qu'on va faire c'est du pen test ce qui est intéressant c'est surtout les trois derniers labs ok 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 bon on va faire tout ça déjà on a pas mal de boulot à faire et puis on verra je vois qu'en plus ça parle de web ici ça va être cool là ça nous parle de network alors ça c'est la partie la plus chiante je suis pas un grand fan de network moi mais en gros, la première partie, on l'a fini. Voilà. Donc, tout ce qui était introduction, c'est bon, on rentre un peu plus dans le dur maintenant. Euh... Protocole. De quoi va-t-on parler euh... Oui, on discute que à travers des protocoles. C'est bien vrai. Euh... On a un header. Et. Un payload. Euh, le Vader, il précise la structure du, du protocole. Samit Network, j'aime bien. Bah, parfait. Il aura rapporte tout le monde, de toute façon. Enfin, je pense qu'on va toucher un peu à, toutes les, à tous les domaines. Donc, on va se faire aussi bien du web, peut-être même un petit peu de. Je de euh, peut être de l'assembleur, mais peut-être toucher un tout petit peu à tout ce qui va être river, c'est tout. Euh, forcément du, du réseau parce que c'est indispensable. Je déteste ça mais c'est indispensable. Et je pense aussi beaucoup de web qu'on a vu après. Et puis après des, du système, euh, du système et les failles les plus courantes j'imagine. Euh, donc le header, il comprend la, struc la structure du spécifique au protocole. Il s'assure qu'on reçoit, que l'autre reçoit bien. Euh, les données et qui peut les interpréter correctement. Euh, voilà. Et c'est lui en gros qui gère la partie communication. Euh, le payload en fait, c'est l'information qui est qu y a dedans. Voilà, on s'en fout un peu. Et donc le protocole IP, enfin leader du, du protocole IP, contient au moins 160. Alors nous on a on peut, on peut à des bits. C'est pas des octets c'est des bits. Donc il fait au moins cette taille là, donc 60 octets. Et euh... et il a des. Il a de l'information qui peut... Comment on peut traduire ça Et il inclut l'information à interpré... qui va interpréter le contenu du paquet IP. Donc en fait c'est grâce à ton reader que tu peux lire ce qu'il y a dans ton paquet. Pour, pour simplifier. Donc les 4, les 4 premiers bits c'est la version de l'IP, soit IPv4, soit IPv6. Euh, les 32 bits qui se positionnent à la, à la... Enfin qui sont à la position 96. Ici on dirait bien. Ah, mais je pense qu'on va avoir un petit labo après euh, CMU j'imagine parce que là c'est vrai que c'est très, très 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 pas clair mais bon du coup position 96 donc les 32 bits qui, qui commencent à la position 96 c'est l'adresse la, source euh, les 4 qui suivent c'est l'adresse de destination euh. d'accord Ouais, donc là, on nous explique qu'il y a des protocoles qui sont propres à faire différentes choses, comme du mail, comme, euh, comme établir des connexions entre un serveur et un client, transmettre des données, tout ça, tout ça. Euh, ok. Ah, Il oui, y donc différentes couches aussi hashtag modèle la couche application, transport, network. Enfin, un réseau, du coup, est physique. Euh... Donc, chaque couche sert tu verbe servir euh, celle qui est au-dessus de lui. Parce que le modèle OZI, c'est une, pira... une pyramide qui ressemble à modèle OZI. Oh, j'écris en majuscule. C'est fantastique. Modèle OZI. Alors, clac qui est ça. Donc du coup, physique, liaison, réseau, transport, session, machin, truc, tout ça. Moi, je l'avais appris par cœur à un moment. Et euh, je sais plus comment j'avais retenu ça. Je sais plus comment je l'avais appelé. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est pas tant euh, comment est ordonné le modèle OSI, c'est plus savoir que, par exemple, si on parle d'IP, bah on va potentiellement parler de la couche 3. Quoi. Plutôt dans ce sens-là que j'ai retenu bah, les choses. C'est, Je sais pas si c'est une bonne manière d'apprendre les choses, mais c'est comme ça que je l'ai retenu. Euh... Et donc, du coup, ils ont mis ça en place en 1984. Je pense qu'on va le voir après, mais bah voilà. Donc, physique... Le lien Network, Transport, Session, Présentation, Application. Euh... Si je t'en, quand tu débugues, tu vas couche par couche. Ok. Là, je pense que c'est plus la... le gars qui fait de... du réseau qui, qui parle. C'est vrai que moi, j'en fais très, très peu. Donc, euh... donc là-dessus, je pourrais pas trop vous aiguiller. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous poser des questions à Sam minutes. Il... Il se fera un plaisir de, de vous répondre, j'en suis sûr. C'est justement quand tu débugs il y a couche par couche. Ok. Hein ouais, jusque là je te suis. Donc network, ça va être toute la partie IP, c'est ça. Euh, transport, donc HTTP, euh, tout ça, tout ça. Je de voir ce que tu vas m'écrire. Oui, TCP plutôt. La session. Qu'est-ce qui porte la session Si je reprends, si je reprends ça. TCP, UDP, euh... je ne sais pas si ICMP ça rentre là-dedans. Et là, tu es le boss. Donc, toi, tu me dis que jusqu'à la partie, jusqu'à la couche 4, en gros, il faut connaître. Le reste, après, on s'en fout. C'est ça Ok. Euh, non, le reste aussi. Ah Tout est important, en fait. Hop, je reçois mon micro. Ah. Non, alors ceci. Mets la couche 5, attention, tu vas lâcher une dinguerie. Donc il y a la couche de session. Présentation, 6. Uh -huh. Donc la page là, tu le mets où tu es dans session. Conversion et chiffrement des données. Non, c'est pas Apache qui fait ça. Donc on est sur une couche 5 du coup, la couche session. Oui, dans ces cas-là, Apache c'est l'application. Enfin bref du coup les gars allez voir allez voir le ah oui mais toi ok je vois ce que tu je vois enfin je vois comment tu réfléchis ok euh là, on nous dit mais comment est-ce que les protocoles travaillent ensemble du coup chaque protocole a un header et un payload et euh... Et en fait du coup de recapsulation merci Kéké. Pour ton refo enfin quand on reçoit tiers 2, mec de la thune. Et du coup pour que les protocoles comme il eux, en train, on fait de, euh, de l'encapulation. Je déteste la partie réseau les gars, je déteste ça. Moi je suis juste tombé sur les tables de routage. Refoutre les nez dedans. Ce qu'on m'a dit qu'il y avait des questions là-dessus. Si, si si je suis vraiment pas fan du réseau de je sais que c'est un, un endroit que je faire enfin, un domaine que j'aimerais travailler beaucoup plus parce que c'est ultra c'est ultra important le réseau euh, mais j'arrive pas j'arrive pas à trouver de l'intérêt à faire du réseau enfin j'arrive pas à, à accrocher mon intérêt là dessus plutôt je sais que quand tu maîtrises c'est cool mais j'arrive pas à vraiment Genre j'avais bossé le CCNA 1, 2 et 3 mais... Mais non. Non 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 On se Ça nous parle d'encapsulation. Qu'est-ce qui se passe L'application, enfin la couche d'application donne au paquet. Ok, donc en fait chaque couche rajoute son header dans dans le payload de l'autre ce qui fait qu'à la fin du coup on a un payload qui transporte en même temps le protocole ok d'accord etc etc hop comme ça tout le monde communique bien avec tout le monde et donc pendant la capitulation chaque protocole ajoute son propre header au paquet euh, qui va le traiter alors comme étant un payload donc, une charge et ça, euh, ceci arri ouais, arrive à chaque paquet qui est envoyé par l'hôte. Table de routage, c'est important. Ouais, ouais, ouais je me... ça me rappelle un peu des cours euh, quand on faisait une sorte de wrapper de IP tables. C'est une merde pas possible à faire d'ailleurs. Mais ça remonte en licence, donc c'était il y, y a trois ans. Ça me rajeunit pas trop. Euh, ouais, bon, on va en plus tard. Ah. pendant la session, section Boyer Shark. Très bien. Fin du petit poli. Ah, j'espère qu'il n'y a pas 40 pages à chaque fois. Hein. <laughs> 50 pages. Juste 50 pages. Bon, on passe vite c'est dessus hein. L'objectif, après, c'est que ça vous donne envie de. Enfin, l'objectif. Non, en vrai, je m'en fous que vous alliez lire ou pas le cours. Hein. Mais si vous voulez creuser un peu plus, justement, c'est l'occasion d'y aller. Je vous rappelle que c'est gratuit, donc ça sera un peu con de passer à côté. Euh, c'est un accès au cours qui est gratuit, vous avez juste à vous créer un compte. Euh, et c'est tout. Vous avez accès au cours pour passer à la certification. La certif elle n'est pas très chère, mais bon, c'est pas donné non plus à, à toutes les bourses, c'est hein, 200 balles. Euh, mais le cours est gratuit, donc n'hésitez pas à aller dessus, à, à en abuser pour ceux qui sont intéressés, ne serait-ce que pour avoir une connaissance globale de ce que des compétences et connaissances qu'il faut avoir à minima pour faire de la sécu, c'est-à-dire avoir des connaissances très générales en réseau, en web, en système, etc., etc. En vrai, oui, moi, je ne peux que vous encourager à aller lire ça. Alors, le cours en tout, ils ont estimé ça je crois 40 heures de lecture. Réellement, ça, ça, ça se passe bien. Hein. Vous faites ça de 2 heures tous les soirs sur 5 jours. Et en, en un mois, c'est fini. Hein. On dit comme ça, c'est un peu long. Mais en, en vrai, euh, enfin, si vous faites déjà des petits trucs euh, de votre côté, il y a des choses que vous allez déjà connaître. Donc, vous allez passer très vite dessus. Hein. Euh, bon, on est sur quoi là J'ai commencé. Internet, donc ce qu'on appelle IP. Internet Protocol. Euh, on s'en fout. Euh. Donc l'IP, donc Internet Protocol, protocole, un protocole qui court sur un, sur la couche Internet, euh, connu aussi comme TCP/IP. Très bien. Donc, TCPIP est en charge de délivrer les datagrammes, donc les paquets IP sont appelés datagrammes, euh, à l'hôte. Euh, il s'est engagé dans une communication et il utilise du coup les adresses IP pour identifier un hôte. Un hôte, pardon. Euh, ok donc quand vous écrivez une lettre vous devez spécifier le, la personne qui va enfin, l'adresse de réception euh, sur l'enveloppe avant de l'envoyer, c'est pareil sur internet euh, du coup il faut, faut en gros envoyer l'adresse de destination ce qui est marqué là euh, 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 donc chaque machine a une RCP unique euh, sur un réseau d'ordinateurs Euh, exemple d'IPv4, donc c'est euh, 4 paquets de 8 bits. Attends, consiste of 4 bytes of or octets. Voilà, en gros c'est regroupé par 4 paquets quoi. Et du coup, euh, .73, 5. .12, .132. Si vous êtes sur une, enfin, si vous regardez votre IP local, on peut faire ici, une IP config, on peut voir que, alors je sais pas laquelle va répondre, j'en ai plein, plein, plein ici. Celle de mon LAN par exemple, euh, 168.1.83. Ça, c'est une IP locale. Si euh, je ping un site, par exemple, si je ping google.fr, il va me répondre. grâce à son IP publique, par contre. Je pense qu'ils vont en parler. Euh, donc, les points des limites chaque octet de l'adresse. Très bien. Uh -huh. Et donc, oui, donc on peut aller de 0 à 255 par octet. C'est-à-dire qu'on peut aller de 000 à 255, etc. Euh, par contre, certaines restes sont réservées pour des utilisations spéciales, ou spécifiques plutôt. Donc, 000 euh, et 0 machin truc, c'est représente ce network. Donc, ça identifie un réseau particulier. Euh, tout ce qui est en 127.00 ou 127 machin truc, c'est un... ça rend l'hôte. Par exemple, vous avez le 127.001 qui va être euh, l'hôte, mais sur sa boucle locale. Et tout ce qui est en 114.68, donc de 0 à 255, ça va être tout ce qui est réseau euh, réseau interne en gros, enfin réseau privé. Donc est à la maison. Si vous voulez en savoir plus, allez vous palucher la RFC 5735. Je suis sûr que vous serez heureux. Et comblé aussi. Euh, les masques. Oh, ça me rappelle des, des mauvais souvenirs quand j'étais en DUT, ça par contre. Oh là là. Oh là, là. Oh là, là. Euh, pour identifier totalement un hôte, on doit aussi connaître son network, son réseau. Pour faire ça, du coup, on associe une IP et un masque, ou un masque de sous-réseau. Euh, clairement, enfin, clairement, typiquement ici, on a une IP en 192.168.500, avec un masque de sous-réseau en 255.0. Ça veut dire qu'on va avoir un nombre d'IP limité sur ce, sur ce sous-réseau. Euh, donc là, il faut faire une opération bit à bit de type end. Pour trouver en fait la relation qu'il y a entre le, le masque et les IP, euh, mais clairement un peu la flemme. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il prend tout, il convertit en binaire et après il fait du bit à bit dessus et il obtient du coup 32.0. Je sais pas pourquoi. Alors, 224 ici, ok. Donc il fait le et il trouve le préfixe en décimal. Il en fait quoi avec hein Pourquoi il part de 33.12 alors Ah non ok, donc en 224, c'est à dire qu'on va aller on commence en 32 puis on va en 33. C'est ça le sous-réseau. Ok, d'accord. Et donc là il a fait un end. D'accord, très bien. Euh, donc du coup, on est en slash 19. Donc ça, pareil, les CIDR, donc en gros, ça, ça identifie votre sous-réseau. Allez sur Google. Parce qu'on peut les calculer, mais c'est chiant. Je pense qu'on va passer là-dessus après, mais on va passer très très vite dessus. Parce que c'est parce que pas ce qui est le plus fun. Clairement, quand vous êtes sur une machine, vous faites un, un IPA. Sur une machine qui est Linux par exemple. En fait, en IPA, vous voyez souvent, souvent quoi vous voyez. Euh, si je lance un truc comme ça. Si je fais un IPA. Est-ce que j'ai le sourire Alors, attendez. ETH. Non, j'ai pas mon masque qui est affiché là. Pour mon masque, il faudrait lister mon fichier interface. Que je n'ai pas là, vu que c'est une machine Windows. Mais en gros, vous, quand vous créez, exemple, une, quand vous mettez une IP fixe sur une machine Linux, il faut modifier un fichier. Et vous devez du coup préciser son IP, son masque de sous-réseau. Qui va du coup identifier son, son appartenance au réseau. Fermez tout. Euh... Convertent les octets binaires. Alors qu'est-ce qu'ils nous font là Donc là on inverse le masque. Pour faire quoi Ah c'est pour trouver le nombre d'adresses. Donc 3, 6, 8 et 5, 13. Donc 2 puissance 13, ça fait 8192 adresses différentes sur le sous-réseau. Donc là, en gros, qu'est-ce qu'il a fait Ah, mais j'ai sauté une slide, en fait. Du coup, on veut trouver le nombre d'adresses qu'on va pouvoir avoir sur si notre sous-réseau avec notre masque. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on convertit nos adresses et notre masque en binaire. Euh, on inverse notre masque, donc on fait un NOT donc les 1 donnent des 0, les 0 donnent des 1, voilà. Ensuite, on fait un et bit et bit, on trouve une adresse 00112 qu'on convertit en, en binaire, enfin, non, même pas, même pas, en fait ça je sais pas ce que c'est auspart in decimal notation je sais pas si c'est en d'avoir ça par contre mais ce qui est intéressant c'est d'avoir le nombre de 1 qu'on va avoir sur l'inverse de notre masque ici on aura 13 1 donc on fait en 2 puissance 13 et on sait qu'on va avoir une 1192 reste différentes sur notre réseau Et euh... okay. let's recap by doing over some ip example très bien donc on a un 10.54.12.0 slash 24 qui correspond du coup à un masque de sous réseau en 255, 255 255, 255, 0 on écrit tout en binaire on inverse donc là on va avoir que des 1, que des 1, que des 1, que des 0 donc on, va, on inverse tout on va avoir 8, 1 donc on va avoir 2 puissance 8 Nombre d'adresse, soit 256. Euh, 10, 54, c'est l'adresse du réseau. Et euh, .55, du coup, ça reste de broadcast. Très bien. Donc là, on est en slash 27. C'est pour ça que je vous disais d'aller sur Google. On va, on va pas apprendre par cœur les, les CIDR. Euh, mais du coup, c'est un 224. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on ça en en binaire. Donc 224, c'est pas moins de ça. Donc on a ici. On va avoir 3-1. Donc ça doit être 128 plus 64 plus 32. 128, 64, 32. Ouais c'est ça. Donc 224. Donc c'est ça qu'on va avoir 3-1, 5-0. Et quand on inverse tout, on va avoir 5-1. Donc 2 puissance 5 adresse, soit 32 adresse. Euh... Et donc vu qu'on a 32 adresses et qu'on commence à la 32, on fait 32 plus 32 moins 1. Parce qu'en fait, on commence entre guillemets à zéro notre tableau. Et donc on va avoir du coup en 63 qui va être l'adresse de broadcast. Euh, bon après, qu'est-ce qu'il nous dit Ah oui, donc c'est vérifier si on est dans le même sous-réseau. Et... Là il faudrait faire des calculs pour vérifier qu'on est bien... voir qu'on n'est pas dedans, un peu la flemme. Je vous laisse faire les calculs hein, les gars. N'hésitez pas. Mais en gros ce qu'il faut faire c'est que le slash 23 faut l'écrire. Il faut l'écrire en... en 255. Euh, L'inverser, compter le nombre d'adresses qu'il peut y avoir dedans. Du coup, ajouter le nombre qu'on peut avoir. Et comme ça on verra que... Potentiellement ça c'est temps euh, mais que les deux ici sont pas dans le même réseau. Voilà. C'est comme ça qu'il faut faire. Euh... Ok. Ip calque. Ok. Tu balances des, des tools. N'hésite pas à mettre des liens. Hein. Si t'as des bons liens, tu m'as dit IP Dans un shell, ok, c'est un shell. ou là, on peut on peut tester. Hein Attendez. Donc on est en cent soixante douze slash 23 calcul. Donc on voit que notre network il va de 2.0 Ah non, l'ost minimum plutôt il va de 2.1 à 3.254 C'est plus geek <laughs> euh, Alors attends, il faut que je quitte ça je pense Ouais Donc euh... tu m'as dit IP calque, je connais pas hein. IP calque on a déjà vu qu'avec l'outil du coup on arrivait à tomber sur euh, sur nos petits mmh. ah ok alors, je ne sais plus exactement ce que c'était comme euh, en slash 23. Slash 23. Ah bah voilà. En fait, c'est le même retour. Je pense que derrière, il y a le même calcul le même qui est fait. Mais du coup, si on rentre cette IP-là, enfin, ce sous-réseau-là avec ce, ce masque-là, on voit qu'on a en tout... 510 autres et qu'on commence en 2.1 et on finit en 3 en 254 voilà donc ce qu'on avait ce qu'on fait avec avec ceci on voit que ça fait exactement la même commande vu que le retour est le même ouais on voit qu'on a un slash ip calque en bas ok Bon, continuons. Bon, on peut calculer, s'amuser à faire ça, mais on s'en fout. Donc là, on va parler des limitations, je pense, de l'IPv4. Bon, l'IPv4 est limité parce qu'on n'a que 32 bits. On a 4 paquets de 8 bits. Ce qui fait en gros 4 milliards de, de possibilités. Ce qui fait qu'on est assez limité. L'IPv6, du coup, qui, qui apparaît, c'est de l'écriture hexadécimale. Et, euh... Et du coup, on peut jusqu'à 128 bits Parce que FF, ça fait 128. Si je dis pas de bêtises. C'est peut-être des bêtises. Attendez, je réfléchis. Pendant qu'un 128 bits. Non, c'est ça. J'ai des bêtises. Normalement, il y a 8, 8, 8 paquets de 6, je crois. Enfin, de 16, plutôt. Merci pour ton follow, euh, no puif Attendez, attendez, je suis en de Je crois que c'est des paquets de... Enfin, des paquets de 16. Euh, IPV 6. On va en parler juste après, je crois. XX. Tac. Je m'en fous de l'histoire, je veux savoir comment ça s'écrit. Ah non, pas du tout, c'est pas de l'exa. C'est juste des paquets qui sont plus longs. Oui, c'est ça, c'est bien de l'exa. OK. Oh okay. on se calme. Ok donc j'avais bien vu. Mais c'est juste que c'est 4. Enfin en gros 4 bits en hexa. Ça, ça se dit pas, mais. En gros, on peut avoir jusqu'à 4 lettres. Donc FFFFF. -F 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 -F, F F F F plutôt. Qui vaut 128. Ok, 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 ok. On se calme. Euh... Et, et donc, et donc, et donc... Bah, du coup, on a 2 puissance 128 possibilités. Ce qui est... Énorme, parce que c'est 2 puissance 32, qui équivaut à ce qu'on avait avant, fois 2 puissance 96, qui est 3 fois plus grand que ce qu'on avait avant. Donc autant vous dire que... Enfin, qui est... Ouais, c'est ça, enfin, c'est 2 puissance ça fois plus grand, en fait. Donc c'est énorme. Bref, il y a 79 000 octillions d'adresses. Je ne sais pas ce que c'est un octillion, c'est un million de millions Milliards de milliards, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Euh... Donc, oui, donc c'est 16 bits hexadécimaux, enfin des nombres de 16 bits en hexa séparés par des demi-colonnes. Euh... Voilà, voilà, voilà. Exemple d'écriture quand on a deux points, c'est qu'il n'y a rien. Alors, par contre, on a un 0 ici, mais on peut l'enlever. Je pense, 201, 0. 0020, 0, 0. ah non, c'est pas les mêmes, ok, on aurait dit, mais pas du tout. Donc, ça, c'est le header d'un IPv6. Quoi dire Pas grand chose. Si on a toujours notre source adresse et destination adresse, sauf que là, c'est plus grand parce que du coup, la taille de l'IP est plus grande. Bref, t'as compris. Là où nous on avait que 32 bits en IPv4, maintenant il en faut 128 parce que c'est plus grand. Euh, oui, donc quand on fait des deux points, quand on fait deux points, deux points, c'est qu'on a skippé les zéros. Et donc du coup, on peut, on peut condenser plutôt une IPv6 qui est comme ça, donc en FF01, 2.0, machin truc, jusqu'à 2.43 en ceci seulement. Et on peut. Oh, avoir de l'IPv4 compatible, je ne savais pas. On skip tout et on fait un 2.2.13.1.8.3. Très bien. On a aussi des IP qui sont réservées. Donc la 2.2.1/128 c'est l'adresse de loopback. Et, euh, et ceci, que je ne connaissais pas qui sont des IP. Alors IPv4 m'appelle, donc des adresses mappées IPv4. Encore une fois, si vous voulez en savoir plus. Il y a des RFC, c'est pas fun à lire. Je dis ça un peu parce qu'on la déconne, mais une RFC, c'est pas fun à lire. Mais c'est un petit peu la base quand tu veux apprendre des choses. Euh, ok, on peut les, con... on peut les couper, les IPv6. Mmh. Donc, un peu comme, euh, comme nos IPv4, hein. on a des adresses euh, qui sont locales et d'autres qui sont globales. Hmm. Ça fait penser un peu à autre chose quand on penche la tête, mais bon. Euh, global, unique, à cette adresse, machin truc. Unique, local. Donc, les uniques locales, elles ne sont pas routées sur Internet. Donc, hein. on peut les utiliser pour faire du, du VPN. Et les links locales, du coup. Je sais pas ce que ça veut dire scope network. Not routed internally or externally. Ok. Euh, on, peut les on peut les convertir plutôt en binaire. Ok. Donc que des 1, donc 16.1, j'imagine... C'est ça. 16.1, ça fait un 4F, enfin FFFF F, 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 F plutôt. Donc voilà, hein. pas grand chose de plus à ajouter là-dessus. Euh, en IPv6, les 48 premiers bits sont pour l'adressage global. Et le reste du coup. On a une définition de sous-réseau sur la quatrième partie. 1, 2, 3, 4. Ok. Et après, on identifie notre interface via les 64 bits restants. Ça, c'est intéressant. J'ai pas encore fait de box qui... où il fallait faire de l'IPv6. Oui. mais Mais je pense que ça va arriver. Hein. Je pense qu'il y a déjà eu des mecs qui ont fait ça juste pour le fun. Ouais, bon, là j'ai un peu la flemme de tout lire, on va pas se mentir. Ouais, donc là, concatène tout, il met un slash 4, les sous-vaseaux. Ah, oh, on est à la fin. Par contre, ce qui est cool à chaque fois, c'est qu'on a tous les liens, toutes les références de, de, ce on a vu, tout, de tout ce qu'on a vu avant, plutôt, dans le cours. Donc ça, c'est cool s'il y en a qui veulent creuser un peu plus. C'est pas trop notre cas, mais pourquoi pas. Euh, routing, Routing. routage. Oh yes! Comme on est content. Encore un truc qui est bien codé. Oui, on passe en blabla parce qu'il faut que je me reconnecte, les doudous. Euh, Est-ce que je suis connecté? Ça rame du HUC. C'est bon! Arrêtez votre impatience, les gars, on revient, c'est bon. Euh, le routage. Important le routage. Comment est-ce que des choses vont communiquer Comment on va pouvoir faire du filtrage aussi via ce routage Tant de, de questions, on n'a pas les réponses. Ouais, donc j'en utilise des routeurs, parce qu'on doit du coup donner un, un chemin valide à nos okay. paquets. Ce qui est logique. Hein. Euh... Les portables de routage sont utilisés pour terminer le meilleur chemin pour atteindre un réseau. Euh... On ouais, nous parle de posti, on s'en fout un peu. Hein. Ok, de choses. Donc là, on va faire dans la table de routage pour trouver du coup comment, euh, comment les choses sont foutues. Je pense qu'on verra ça après. Ah, oh, ça me fait tellement penser au CCN hein. infernal. Bon, et en gros, on a un routeur ici. Et je sais pas ce qu'ils veulent faire. Peut-être qu'ils veulent que tout communique entre eux. Mais en gros, il va falloir que ce réseau-là puisse voir ce réseau-là par rapport aux interfaces qui sont là. Idem pour lui avec lui, lui avec lui, etc., etc. T'as compris? Interface 1. Ok. En gros, ce qu'on nous dit, c'est que on a l'interface 1 qui est reliée à ce sous-réseau-là, l'interface 2 qui est reliée à ce sous-réseau-là, l'interface 3 qui est reliée à ce sous-réseau-là, qui est le truc par défaut. C'est ça qui nous explique ici. C'est-à-dire que si on a un paquet qui n'a pas de qui n'a pas de bon chemin rentré, par défaut il a tombé sur l'interface 3. Euh... Euh, par exemple un paquet qui sur l'interface 3, en provenance de 5.3, il est transféré sur l'interface 2. Bon, donc en fait leur 0.0.0 en fait on imagine que c'est un autre réseau, de ce que je peux comprendre. Uh, In fact, ok. Alors que la deuxième euh, convient. Dans la table de routage, elle dit que tout ce qui est en 192 c'est l'interface numéro 2. Donc même si on a un paquet ici qui vient d'un réseau comme ça, il va être transféré par là. Ok. Par défaut, 000, c'est tout, sauf ce qui est connu de bureau. Tu peux dire que c'est l'Internet. D'accord. Bon, ça, c'est clair. L'Internet. Donc, un paquet qui arrive de l'interface 1 pour 72 quelque chose. Et bonjour, et oui, et oui, et bonjour, comment vas-tu? Merci pour ces précisions. Euh, du coup il ne peut pas aller en 192 vu qu'il n'est pas destiné à ça. Donc par défaut il va être en fait routé sur la partie numéro 3. Enfin sur l'interface numéro 3. Et donc ça correspond du coup à notre troisième ligne de la table de routage. Et oui donc du coup il faut assigner un métrique à chaque lien pour définir des préférences, enfin des... pas des préférences mais des mais des comment on appelle ça Une sorte de hiérarchie et voilà et en gros si on a un nombre élevé c'est va... plus rapide en gros et donc euh, si deux paquets ont la même, euh, ont même le même numéro en fait ils vont euh... enfin celui qui a euh, la route la plus rapide, c'est lui qui va être sélectionné. Coûte ça. Vous faites une phrase, les gars Oui, il manque des mots. Je pense que tu voulais dire count, sorte de compteur, oui. Mais en fait, c'est plus le, le métrique. C'est ce qui est marqué ici. Merde oh, débile. Le coût d'une route. Ah oui, ok. Oui, ok j'ai compris j'ai compris j'ai compris et euh... ça ça me rappelle quand c'est de la configuration sur un paquet tracer mon dieu faut ai vraiment aimer le réseau pour faire ça donc on a des IP sur des interfaces. Et par exemple là on peut voir qu'on a deux IP différentes, avec des masques de sous-réseau différents, qui vont pourtant sur la même interface, mais avec des métriques différentes. Alors je sais plus comment ça fonctionne, si c'est le plus haut ou le plus bas. Hmm. Je crois que plus c'est bas, plus c'est rapide, corrigez-moi les gars. Je crois que c'est ça, mais bon, je ne suis pas sûr. Et donc du coup on voit ici aussi que si on a une IP en provenance de 2 ou 1, la métrique n'est pas la même. C'est ça je pense, donc c'est plus c'est faible, plus c'est rapide. On va voir, il va nous expliquer. Hein. Donc un paquet qui arrive sur l'interface numéro 3, pour 11.32.3, donc 11.32.3, donc c'est là-dedans, là, il arrive sur la 3, il va être redirigé où? Et routé à travers l'interface numéro 1. Euh, comme les métriques pour cette route est 15. Donc 11, 32, 3 Attendez, il y a un truc que je ne comprends pas. Là. 11, 32, 3 Il va arriver. Ah non, il va. Su... Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je viens de comprendre. En gros, lui. Il veut aller sur le 3, donc par ici. Donc il veut sortir en gros du réseau. Et la route qu'il va prendre, c'est celui qui a le métrique le plus faible. Ça veut dire que là, on a un 10 plus 5, donc 15. Et là, un 9, plus 7, un 9 plus 8, ça fait 17. Donc il va prendre ce chemin-là pour pouvoir sortir. C'est exact. <coughs> euh, Routing tables, are not only by routers. Donc les tables de routage ne sont pas seulement gardées par les routeurs. Chaque hôte... Donc machine euh, store sa propre table. Et on peut voir ça sur des machines Linux avec un root ou avec un root print sur Windows ou un netstat.r sur OSX. On va pouvoir voir ça ici tout de suite. Et là si je fais un root print, voilà on a du routage ici qui est fait. Moi j'ai rien fait, hein, j'ai rien touché. C'est juste qu'en fait tout est réglé. Et on voit qu'on a des métriques ici différentes. En là on a du 281, là on a 291, et, euh... et c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes IP. Donc je pense que là ça dépend par rapport à... à moi ce que je dois avoir dans mon IP config ici. Sûrement différents réseaux créés par mes cartes. C'est à la carte de base, enfin la carte de base, la carte qui est générée par ta carte internet en fait, tout simplement, ta carte réseau de ta machine. Et puis après si tu fais de la virtualisation, bah du coup ton VMware ou VirtualBox va créer une carte par machine. Ou même plusieurs cartes par machine si tu en demandes. Par exemple, sur kali, je pourrais mettre 4 cartes si j'avais envie. Avoir, je sais pas moi, un, un bridge et avoir 3 réseaux différents. Et du coup, là, il me créerait en tout 4 cartes pour la même machine. Et, et donc ici, dans l'IP config, on verrait du coup toutes ces cartes-là. Et donc, on peut voir que sur ces cartes-là, il nous crée du coup des métriques différents en fonction de savoir si c'est plus ou moins important. Salut Net, bien mangé. Donc voilà, donc un IP route. Euh, chatting routing table Ok. Et donc voilà, il nous affiche. Salut Jonathan, comment vas-tu euh, Donc, on vient, on vient de le paint. Hein. Si on, on le refait vite fait pour, pour vous montrer. Voilà. Et le retour, du coup, il ressemble... C'est pareil. On a les routes actives qui est ici. Et on a, du coup, le, le, réseau, enfin, le, le réseau de destination, le masque, la passerelle, l'interface et les métriques. Qu'est-ce qu'on fait de beau On fait le cours de l'UJPT, la certification. Et... Euh... Et en fait, je fais ça en live pour les simples et bonnes raisons que ça me garde motivé à bosser ce combat et à passer à l'assertif. Je parlais de ça avec mon collègue, du coup, et ce qui se passe, c'est que quand on fait des bonnes journées, donc 7-8 heures de taf, euh, on fait pas de la sécu, mais alors, quand je dis de la sécu, c'est qu'on casse pas des box tous les jours en ligne, il faut se calmer. Euh, par exemple, là, j'ai fait toute la journée, j'ai fait de la documentation, ce qu'il faut en faire. J'ai fait de la relecture de, de compte rendu de pen-test, de pentest test externe. J'ai écrit de la documentation sur euh, du phishing. Ouais, c'est pas très glamour non plus le, de faire du, du pen test en, en tant que tel. Euh, mais c'est vrai qu'à la fin de la journée, il a pas forcément envie de faire de la sécu. Sauf que cet été, enfin, au plus tard cet été, euh, je veux passer moi, mon, mon EJPT pour commencer. Donc, euh, donc comment dire, bah, il faut que je passe le cours, moi pour me remémorer tout ce qui, tout ce qui va bien. Et pourquoi pas si je me sens prêt prendre un week-end et passer à la sortie. Il faut vraiment que je reste, je reste motivé. C'est aussi pour ça que je le bosse en live. Donc je pense que tous les mardis, on, on bossera sur le JPT. Comme ça, vous savez, maintenant, euh, le programme du mardi, on se laissera le vendredi et, et le dimanche soir pour faire, pour faire des box ou autres. Sachant que comme je vous dis, moi j'ai des, des journées qui sont bien chargées. Donc des fois le soir, j'ai pas forcément envie de faire de la sécu. Donc, il est possible à l'avenir qu'on qu fasse un peu de jeux vidéo aussi. Ce euh, ne sera pas ce qu'on fera principalement. Hein. Mais, mais des fois, ça peut arriver. Parce qu'il faut bien comprendre que j'ai envie des fois de, de lâcher un peu prise. J'espère que vous comprenez ça. Et il faut qu'on focus aussi beaucoup plus les box euh, Active Directory. Parce que je me rends compte que. Que comment dire euh, bah que je suis une brelle en Active Directory, tout simplement. Alors quand c'est de la première phase, la phase de devenir user ça se passe bien. Parce que euh, c'est souvent du web. Ou du moins c'est des grosses failles bien connues, donc ça va. Mais, euh, mais là je suis en train de faire Forest, qui est une machine retirée sur Xbox. Euh, je suis à la ramasse. Je suis devenu user mais à partir de là, je sais pas quoi faire. Donc je vois que j'ai des grosses, grosses, grosses lacunes. J'aime bien de l'AD. Parfait, tu vas pouvoir m'aider. Salut Default, comment vas-tu et, et salut tout le monde. L'AD, c'est réaliste totalement. Totalement. Mais le problème, c'est que je ne suis pas du tout familier avec l'AD. Ça se rapproche un peu du réseau, je trouve. Euh, dans, sa, dans la manière dont il faut appréhender, en fait, le... Euh, fin, la, la partie AD, c'est assez complexe et, euh, et pour moi c'est pas du tout logique. Hein. Clairement, j'ai plein plein de choses à apprendre, je suis vraiment une quiche là-dedans. Mais j'ai mon collègue du coup qui, qui est pen tester et qui donne, des, qui donne des cours, qui a donné des cours, euh, je crois à l'NCBS et en IUT aussi. Et, euh, et du coup, il avait monté un labo AD donc. Euh, Peut-être que j'aurai accès à son labo. En tout cas, il me filera les cours. Donc comme ça je vais pouvoir... Je vais pouvoir monter un peu plus en compétence là-dessus. Trop de AK. Trop de hack. C'est comme ça que tu as le HACK, c'est ça? Dans tes streams. Mon compte Twitter compte support. Ah ok. T'as fait des bêtises default. T'as fait des bêtises. Eh oui, trop de hack. Ça te faire des conneries dessus aussi. Mais tu verras qu'ils vont même pas te. Tu vas... Ils vont même pas te dire euh, pourquoi ils t'ont suspendu. Hein. Tu vas juste rester suspendu comme un repoignon et puis. Et fin du game. On dit du hack libéraux. Désolé les gars. Je suis pas trop hein, un hacker euh, XXX. Mais ouais, c'est un, un post qui t'explique pas pourquoi ton compte a été suspendu. Et c'est même sûr qu'ils vont pas le faire. Hein. Euh, bon, 54 pages. Faut au moins qu'on arrive à... au labo. Et euh, parce qu'autrement, on être un petit peu chiant comme live. <laughs> Ou alors je vais m'excuser alors que je sais même pas pourquoi, j'espère que ça passe. <laughs> ouais, mais c'est chiant qu'ils expliquent pas. Hein. Mm. Ok, on va parler un petit peu d'attaque, on dirait ici. Euh, packet forwarding, serpent in low. Euh, donc la couche liaison pour faire du packet forwarding. Très bien. Mm -hmm. Ok. Donc, dans cette section, on va voir comment est -ce que fonctionnent les switches, comment euh, comment fonctionne SMAC, j'imagine, dans un réseau, bien sûr. Et euh, l'ARP, donc l'adresse résolution protocole, <coughs> qui associe IP et Mac pour communiquer. Euh, je ne pense pas que j'aurai ça. Et là, si je fais un RP moins... Ah si, un RP moins. Ah, ça fonctionne. Et donc on voit que pour chaque euh, réseau et sous-réseau, on a une association d'IP avec une Mac. Euh, donc voilà. En gros, ça simplifie les connexions. Et les communications. Du réseau, ouais on fait le cours de LogiPT donc dedans il y a du réseau. Ça ne pas trop, mais il y a du réseau. Donc on, on se met là-dedans, on se met voir des choses, on, on pleure sur des choses aussi. Donc voilà. Quand tu racontes ton pote sur la tête, tu pourras me partager ça si c'est possible. Ouais mais je pense que ce soit possible, je lui demander. Mais je pense pas que ce soit possible. C'est une formation forcément que lui fait payer à des, à des écoles. Donc, euh, donc je pense pas qu'il qu transmette ça comme ça. Malheureusement, sachant qu'en plus c'est un gars qui est, qui est très très bon, euh, donc en test interne, c'est ce qu'il me disait. Enfin, il me disait pas qu'il était bon, il me disait qu'il aimait ça. Donc je pense que s'il aime ça, c'est qu'il est qu a un minimum bon aussi. Euh, et donc tout ce qui est directory, il maîtrise plutôt pas mal, de ce que j'ai pu comprendre. Donc je pense que son poids va être très très qualitatif. Ouais. Mais oui, je tiendrai au courant de voir si c'est possible de... de récupérer une partie ou même de. Non, de récupérer une partie. Je vais voir ça avec lui. Euh, donc, l'adresse. Enfin, TCP/IP, du coup, est une couche. Euh... Est une couche. Et sur la couche réseau, par contre. Pardon. Euh, alors que l'adresse MAC est sur la couche Network, donc la couche numéro 2 du modèle OSI. On se rappelle le modèle OSI, les gars, qui est là. Donc ici, on a la MAC, la couche liaison et TCP/IP, donc plutôt l'IP plutôt. Euh, donc c'est la couche réseau. Euh, donc MAC aussi, c'est pour Media Access Control, euh, aussi connu sous le nom d'adresse physique d'une machine. On dit physique parce que pour les gens qui ne sont pas forcément euh, Sensible à ça, en fait, une adresse Mac ne change pas. Nous, on sait, enfin nous, les gens qui font un, un peu d'informatique, on va dire, ils savent très bien qu'on peut modifier le Mac. Euh, mais les gens qui s'y connaissent pas forcément, bah, la Mac en gros, c'est comme si c'était écrit dur dans, dans une machine. Euh, parce que du coup, on peut usurper des Mac pour pouvoir modifier des, des paquets et tout. Ça peut... On peut faire des conneries. Euh, donc IP config slash all pour voir les Mac. Euh, non c'est pour faire quoi avec Ok. Ouais ça on s'en fout. Euh, chaque hot sur un réseau a ah, le combo uh, Mac et IP. Les téléphones changent de Mac. Ah ouais. Genre euh, il change de Mac du coup au reboot ou c'est un cycle Du coup tu dois avoir un, un, comment dire, un trousseau de Mac j'imagine sur ton téléphone oui il change à la volée euh, Remember de la couche basse sert la couche la plus haute donc la couche hmm... à chaque connexion ok Ok, ok. Laisse-toi que le cas. Comment est-ce que les ORS Mac sont utilisés Donc là, on a un poste A avec une IP et une Mac. On a un routeur avec une passerelle, on va dire 1, qui a une IP et une Mac. Côté 2, IP et Mac. Enfin, PAT 1, patte 2. Et, euh, et une autre machine qui a pareil une IP et une Mac. Donc on a deux réseaux distincts, A et B, reliés à Enfin, interconnecté, on va dire, bien un routeur. Euh, donc voilà, donc le routeur a deux interfaces qui ont chacune leur adresse et leur MAC. Et comment ça se passe si la station numéro A va envoyer un paquet à la station numéro 2 Et quelle IP et quel MAC en gros elle va utiliser bah, Moi je dirais qu'elle va utiliser. Donc si A va envoyer à B, A va utiliser l'IP et la MAC de la. De la de la comment dire de la de l'interface numéro 2 donc là, tu as dit que tu ferais du gaming ouais j'en ferai un petit peu je pense euh, ce sera pas très ce sera pas du tout régulier hein. mais, euh, mais il est possible parce que des fois j'ai envie de live enfin des fois j'ai envie de geeker. mais je n'ose pas le live parce que je sais que c'est pas ce que je fais sur la chaîne mais je me dis pourquoi pas euh, quel jeu Il n'y a pas beaucoup de jeux que je, que je, auxquels je joue déjà. Il y a Rocket League, Apex et Trackmania. C'est les trois jeux principaux auxquels je joue. Des fois, le samedi soir, on se fait des on se fait des, des jeux style... Euh... Des jeux style... Genre Pictionary et tout le délire, tu vois. C'est assez marrant. Mais ouais, pourquoi pas, pourquoi pas faire ça RL c'est cool, ouais c'est cool. Quel rank euh, D3C1 sont pas très élevé, mais je suis un peu stuck à, à cet le là. Euh, donc le routeur va prendre en charge le paquet et l'envoyer à B, donc au réseau plutôt de B. Euh, donc va réécrire l'adresse MAC dans le paquet. Donc, la destination de la matrice, ce sera la B et la source ce sera celle du routeur. Ok. Je suis bientôt C1 entre les trois. Moi, je joue que en, en 2v2, principalement. Et je suis D3 d 3, en D3, 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 D3 4. Et sans être boost. Hein. Euh. Euh, parce qu'il se fait boost, ah ouais, ça arrive beaucoup, il y a beaucoup de gens qui se font boost sur RL. Il dit pas ses autres ranks. <laughs> euh, je rigole, je joue avec des potes, de... Ah oui, bah c'est pour ça, c'est pour ça. Tu vas monter vite, tu vas voir. Euh, quand un appareil envoie un paquet. la Mac de destination, c'est la Mac du Next Hope. Donc ce que je disais, hein, si A veut envoyer à B, le saut suivant, c'est celui-là. Euh... Pour voir du coup, est-ce que le paquet sera forward. Bah. Très bien, le reste... ok. Petit gratte. Donc en IPv6, enfin en IPv6 non, mais en adresse MAC plutôt, que des F, c'est du broadcast. Je suis R3 plate 1 en 2v2. Ouais bah c'est normal, c'est le début. Hein. C'est le début, t'attends pas les avec 50 heures de jeu, c'est pas possible. Euh... Pendant que les routeurs travaillent avec des RSIP, les switches travaillent avec des RSMAC. Euh, les switches sont aussi de multiples interfaces. Donc ils ont besoin d'avoir une table de forward qui va baigner une ou plusieurs RSMAC. Sur une interface TTL, le Time to Live, l'interface 1 avec une Mac, etc. etc. Euh, la table cam. Ah oui, donc ça, des... il y a des failles sur la, la cam. On peut flouder la cam, du coup, comme ça, en fait, on va, le switch va répondre oui à tout. On peut taper sur tous les réseaux. Ça, c'est pas mal à faire. Euh... Donc, on peut connecter plusieurs hôtes à un switch. Je peux un switch s'appuie sur. Euh... Ça a plusieurs ports. Euh, next game. <laughs> euh, euh, euh. Donc, les plus petits Switch qu'on peut trouver, en général, c'est ceux qu'on a à la maison, qui sont les switches pour la DSL, dans notre box. Hein. Ils ont euh, quatre ports. Et en général, les, les switches qui ont l'entreprise, ils ont... Euh, ils ont 64, voire plus. Euh, non, j'ai jamais fait de bypass SSP. Non, non, j'en je, ai entendu parler, mais j'ai pas fait ça. Euh... Attends. Clac. Euh... Mmh. Ah, mais c'est ce que vous parlez, Canary, là. Ok, ça me parle. Euh... Mais non, du coup, j'ai pas fait. Par contre, j'ai vu des comptes rendus passer. Ça n'a pas l'air simple. Ça a vraiment pas l'air simple. Euh, donc, la différence entre un switch et un autre, c'est la vitesse de forward d'un paquet. Ça varie entre 10 mégas à 10 gigas. Et de nos jours, 1 giga, c'est la... la vitesse de forward la plus commune, on va dire, dans des switches commerciaux. Euh... En vrai, le c'est simple, mais dans la pratique, c'est quelle désillusion, ok Point Bah, passe pas par point tools. Te fais pas chier, utilise quelque chose d'autre. Euh, non, on te que toutes les machines sont connectées au même réseau. On voit qu'il y a des switches, du coup. Salut, je l'endure. Bonsoir de l'ombre. Euh, et donc, du coup, toutes les machines ici peuvent se parler entre elles. Mais alors, c'est quoi ce cours de base sur le réseau Bonsoir à toi, pour commencer. C'est le cours de niveau 0 des gens qui n'ont jamais fait de, de réseau. Parce que là, en gros, on, on est sur le cours de LogipT. Donc, avant de passer à la certif, on relit le cours. Enfin, de passer à la de, de penser à passer à la certification. On, on lit le cours qui est fourni, qui est gratuit. On n'hésitez pas. Euh, et donc, on, on part sur les bases de réseau, on part sur les bases de web. On a vu tout à l'heure la différence entre HTTP et HTTPS. Donc c'est vraiment le niveau 0 de, de l'informatique. Volrode certifié double certif Cisco CCNA. Ça c'est beau. Ça c'est beau. J'espère qu'on va vite en sortir du coup. Parce que je déteste le réseau. C'est les CCNA euh, genre étudiants. CCNA1, 2 et 3 là. Où es passé à, à un niveau au-dessus. <laughs> Euh, Donc, chaque interface d'un routeur est attachée à un différent sous-réseau, un truc. CCNA c'est pour tout le monde. Ouais, mais en fait, à différents niveaux du... dans le CCNA. C'est ce que je veux dire. Et en gros, les CCNA 1, 2 et 3, ils ont pas trop de valeur de ce que j'ai compris. Parce qu'ils sont plus académiques. Euh... Alors, je sais pas où qu'ils sont, hein, mais c'est ce qu'on nous avait qu enfin, dit. Un euh, réseau. Putain, c'est aussi ces conneries C'est CNA1. Et de ce que j'ai compris, en fait, les... Enfin, les 1, 2 et 3, c'est des introductions et un peu plus plus. Mais qu'en qu gros, euh... enfin, ça n'avait pas tellement de valeur que ça sur le marché du travail, dans le sens où c'était souvent ce qu'on passait en cours. Et donc, c'était plus associé à des certifications dites étudiantes. Je sais pas si c'est vrai, hein. tu me diras le contraire, hein. mais c'est ce que j'avais cru comprendre. C'est totalement faux, ok. Oui, donc c'est reconnu comme, comme certification. Euh, Qu'est-ce qui se passe si... Euh, qui est là veut passer à 1.4, qui est là. Dans le domaine du réseau totalement, ok, ok, je ne savais pas que c'était euh, que c'était reconnu. Euh, donc le premier switch reçoit le paquet. Et il va faire un lookup dans sa table cam et il va l'envoyer au prochain switch. Et le second switch qui est là va envoyer le paquet du coup à 1.4 carte en jaune. Il est pas mal cette imote là. C'est pas mal du tout. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si euh, 1.4 veut envoyer un paquet à euh, 2.8 dans un autre sous-réseau. Et ben c'est pareil, le switch va, par va parler à l'autre switch qui va l'envoyer au routeur. Et enfin, le routeur envoie au switch qui va l'envoyer du coup à la machine. Euh, non, On Continuera une box CD euh, vendredi soir, alors je veux dire vendredi ou dimanche, tout dépendra de mon état de, de vendredi. Je vous promets rien, mais, euh, mais je pense qu'on essaiera de finir Forest en tout cas parce que là je suis user sur la machine, j'aimerais bien passer route, même si ça nous prend toute une soirée. Euh... Comment dire, même si on prend toute une soirée, enfin plusieurs heures, c'est pas grave. Mais le but, c'est d'apprendre des choses. Et bah, remercie, enfin, remercie, merci à toi, Default, pour ton deuxième compte qui follow la chaîne. <laughs> c'est marrant. Salut Fabien. Ah bah, tiens, je parlais de réseau tout à l'heure. Et quand je parle de réseau, je pensais à toi. Parce que j'ai évoqué le sujet paquet de traceurs. Et euh... Et, euh, et voilà! <laughs> et je sais que tu es, es un spécialiste, enfin, tu aimes énormément le réseau, à outrance, je dirais même. Tu as besoin de type, non, là en fait, on fait du, de la révision de, de DUT. Parce qu'en fait, je prépare une. Enfin, je veux préparer une certification. Et, euh, et donc, ça repasse par des bases de, de réseau, mais aussi de web, de système, la totale, quoi. Pour faire du, du pentest plus tard. Et donc, euh, donc, on voit les bases. Tout simplement, comment fonctionne un switch, comment fonctionne un, un routeur, euh, comment ça discute, etc., etc., le routage. Donc Dans le fond, c'est pas des choses qui sont très très compliquées, mais c'est juste que j'aime pas trop ça. Donc, en vrai, on passe assez vite dessus. Euh, le réseau, c'est la vie. Ouais, bah, il, faut, il faut aimer le réseau. Vraiment, c'est pour moi quelque chose qui est, qui est compliqué. Mais... Mais je comprends très bien que certains adorent ça. Euh, question. Par contre, dès que tu montes ton infra, et c'est fini, et le maintenir après. Ouais, tu dis que c'est du travail de tous les jours. Quoi. Euh, le pawn, c'est trop bien. Je suis d'accord avec Nuts, le pro hacker. Le pawn c'est plus que la vie. Bon, le pawn c'est trop bien. C'est pas facile, mais c'est trop bien. Si tu veux des petites clés à connaître pour gagner du temps, pom. toi rentrer dans les gros protocoles bourrin. Bon là en, en vrai c'est ce qu'on fait, c'est vraiment pas bourrin du tout. Bon. Quand j'étais en, en train de bosser mes CCNA, qu'on a pas passé finalement, là je du nez. Mais en vrai, ça c'est du, du pipi de Bah on a, on a vu le modèle OZI. Justement, je l'ai ouvert ici, là. Voilà. Mais vas-y, si t'as une astuce, je veux bien. Euh... On aime ce qui est pas facile. La vie, c'est dur. Mais à ah, la petite salope, tu recraches la purée. Application, présentation, session, transport, réseau, liaison et physique. Ok. C'est marrant. <laughs> ok, ok. La petite salope, tu recroches la purée. Ouais pourquoi pas. Hein. Euh... On est facile à part cuisiner des pâtes. Et encore les pâtes, des fois d'arriver à les rater. Hein. Quand tu les cuis trop. Euh... Tu peux être trop fier que es dans lancé un live, mais le reste... Ouais j'ai bien de voir la notification passer là. Next game <laughs> Ouais non, préfère quand c'est un peu ou pour se trouver sur une propre apéro. Ouais non, on préfère quand ça parle de salope. Titre. <laughs> vous êtes, vous êtes, vous êtes infernale, euh, comment dire, défaûté et nuts. intenable. Euh Mon TTL, ça définit le temps, enfin, pendant combien de temps en fait l'introvertement dans la table. C'est important pour cette table câble... cam à une taille définie. Ok. Enfin, une taille finie plutôt. Et donc, les suites, ils apprennent les RSMAC dynamiquement. Et, et merci pour les 100 bits, Volrod. Merci beaucoup. Quel, quel homme généreux. Pourtant, tu vas pas tomber sur un cours qui va être très qualitatif. Et, mais merci à toi, ça fait plaisir. Je sais pas si y a la petite note plus sur le, sur le live. En tout cas, moi je l'ai bien eu dans les oreilles. Je pense qu'elle est mal réglée vu que ça m'a défoncé les oreilles. Merci, lui qui prend les bites sur le réseau. <laughs> On préfère quand ça passe. <laughs> oh, c'est bon, ça va. Je suis bon, Bonne soirée. Eh ben, salut, des fois, tu d'être passé. Euh, alors la source Mac, enfin l'adresse source Mac est comparée dans la table cam. Si elle n'est pas dans la... Enfin si la Mac du coup n'est pas dans la table, euh, le switch l'ajoute. Si elle est déjà dedans, c'est le TTL qui est mis à jour. Et quand la Mac est dans la table, mais que ça touche une autre interface, la, le switch se met à jour. C'est intelligent ça. Ok. Si aujourd'hui j'ai fait du PHP orienté objet gestion des fesses. Oh, ça va, ça va. Ça, ça se comprend bien, je trouve, le PHP. C'est... Ouais, ça se comprend bien. Il y a pire. Franchement, il y a pire. Genre. Euh... quand j'avais commencé à apprendre le java en cours java c'est que l'orateur objet là c'était hein. euh, vraiment complexe un, un gros un module en 5 jours ouais je connais pas un module speed ouais non mais je, je vois je vois c'est un peu ce qu'on fait nous en cours on a des modules de terrain qu'on doit voir en 4 jours on cartouche à chaque fois hein. Mais, euh, mais ouais, non, en vrai, PHP ça se fait bien, surtout si c'est des, des bases déjà en, en d'autres langages, pas forcément web, hein. mais en d'autres langages sur un t objet, en fait, c'est juste apprendre la syntaxe qui est compliquée et, euh, et avoir une bonne rigueur syntaxique. Var, book, tableau, voilà, maintenant passons à autre chose. <laughs> Fais-tu Python, mec, Python, c'est la vie. PHP n'a pas la réel syntaxe. Bah, si, genre définir les variables par exemple. C'est assez propre à, à PHP. Euh, mais sinon, c'est vrai que ça reprend plein d'éléments qu'on trouve dans d'autres langages. Par exemple, la, la rigueur dans les, dans les boucles, etc. C'est plus pour, pour la rigueur d'écriture que PHP est, est complexe. Dans le sens où il faut écrire du code qui est propre et qui est peu faillible. Parce que vu que tu touches à du web. Euh, vu qu'on fait du web bah, en PHP, bah, il faut forcément que ton code il soit. Alors on s'en fout qu'il soit lisible, mais il faut qu'il soit carré. quoi. Bah, le prof nous a fait un troll de d'expliquer le souci des PHP. On est parti en vrai. Ouais. ouais. Euh, bon, il faut qu'on avance sur le cours, les gars, parce que sinon on, en, on y est encore dans trois mois. Euh... Ouais, bon, ça on s'en fout. Ah, RP. Non, t'inquiète, t'inquiète. Adresse d'admission, protocole. Je pense que ça va en parler. On s'en parle maintenant d'ailleurs. ARP ici. C'est l'association du coup Mac et IP. Donc c'est plutôt IP Mac. D'ailleurs, euh, c'est l'un des protocoles fondamentaux de nos usages réseau modernes. Donc il faut le comprendre entièrement. Quand A veut envoyer euh, des données à B en gros, euh, et qui connaît seulement l'adresse IP de B, euh, donc il crée une requête ARP. Donc A construit une requête ARP qui contient l'adresse IP de B et une adresse MAC avec EDF. Non, t'inquiète Fabien, ça va le faire. Mais merci quand même. Euh, et du coup. On n'envoie que DF parce que, comme ça, que DF, EDF, bien joué Nico. On envoie que DF, comme ça, le switch en fait va, va tout prendre, tout simplement. Et donc, tous les hosts du réseau, enfin, tous les hosts, tous les hôtes du réseau vont recevoir le paquet. Et du coup, B, donc B qui est quand même l'IP ciblée, va répondre à A en lui envoyant du coup son mec Et c'est comme ça qu'on fait une association du coup dans la table ARP. Donc on envoie à tout le monde, sauf qu'on cible une seule machine, et c'est la machine ciblée qui va répondre en envoyant sa Mac. Et du coup ça nous crée une association dans la table ARP. Donc du coup A envoie une requête en broadcast. C'est ce qu'on va voir après je pense, hein. Voilà. Du coup le switch il renvoie ça à tout le monde. Sauf qu'on a envoyé notre requête en tapant sur 7.9. Donc tout le monde reçoit sauf que c'est seulement du coup 7.9 qui va répondre et en, en répondant il va nous envoyer du coup l'adresse mac donc du coup le switch va mettre à jour euh, son association mais aussi euh, mais aussi euh, a va mettre à jour son ARP, son, sa table ARP en associant du coup que 7.9 à l'adresse mac machin de euh, donc voilà j'y vais j'aurais peut-être après bisous bah, salut note Bonne soirée. Ouais, c'est volatile une table ARP. Euh, ça, je le savais. Euh, et de mémoire, alors ça, je ne sais pas si c'est vrai à vérifier, mais euh, quand tu lances ta machine, tu as par défaut des requêtes qui sont envoyées en broadcast pour du coup mettre à jour cette uh, table ARP. Je ne sais pas si c'est vrai. Euh, mais c'est ce que j'avais compris. Mmh. Et donc, on peut voir la... Le cache ARP du coup en faisant ARP-A sur Windows. Principe de l'ARP spoofing, par flou unique, faut nous savoir, On, on usurpe du coup l'ARP, on comme communiquer avec qui on veut un petit peu. Ou comme le flood de la, de la table cam. Ça t'envoie qui tu veux aussi tes paquets. Mais oui, c'est un peu le même principe. Donc du coup, enfin ARPA, du coup, on voit un petit peu tout ce qui se passe. Euh, là, les hubs, c'est un peu comme un switch, mais ça a le même but, mais pas les mêmes fonctionnalités. Ce euh, sont de simples répéteurs qui ne modifient pas du coup les headers ou qui ne checkent pas les headers. Prise de courant et n'a pas de cam. Voilà, tout simplement. C'est que chaque nœud basé sur un, un réseau basé sur un réseau reçoit le même signal électrique et les mêmes paquets. Voilà, on a fini cette partie là. Mais il nous en reste encore plein. Ah, Mark, assez fini. J'avais pas vu ça, tiens. C'est-à-dire qu'on peut faire ça pour tout Ah ouais. Comme ça, on verra un peu notre avancement au fur et à mesure. Mark, t'as fini. Euh, close. Résume. Fini. Euh. Fini. Putain, c'est chiant que ça remonte tout le temps. Hello, oh. to the Mais ta gueule! Désolé. je pour pas vos oreilles encore. Et non. J'ai anticipé. Euh. Tac-tac-tac. Ici. C'est simple, un hub, je prends la trame et je l'envoie aux autres. C'est ce que j'ai cru comprendre. Euh, Marc. C'est -ce quoi l'intérêt d'un hub dans ces cas-là Parce qu'un switch, un routeur, oui, ça coule de source. Mais l'intérêt d'un hub, c'est quoi C'est de prolonger du coup Il n'y en a pas. Très bien. Fin de la discussion, je ferme ma gueule. le streaming sur plusieurs supports et un app, ça coûte beaucoup moins cher pour de la viso sur plusieurs écrans d'accord donc en fait tu découpes ton, ton flux c'est ça Oh, TCP et UDP, quel plaisir! Ok, d'accord, je comprends. Un ouais, petit coca à 23h13, quel plaisir! On va bien dormir encore. Bon, on va se finir cette 39 pages là et on va s'arrêter là parce que demain il faut que j'aille au boulot. Euh... Parce qu'on a un environnement de phishing à mettre en place. Euh, TCP, UDP. Le quoi qui donne pas envie Non, clairement pas. Mais par contre, après, ça devient un petit peu fun. Euh, donc là, c'est tout ce qui est réseau encore. On va faire un peu de Wireshark mais on va passer très vite là-dessus. Mais par contre, après, <coughs> on fait du web. Ça, ça va être cool faire du, du web ça va être trop bien on va apprendre des petites choses sûrement cookie euh, cookies sessions. on va pas apprendre grand chose malheureusement <laughs> mais mais ça va être cool pour se faire des petites des petites, euh, des, petites euh, des petits rappels pardon et après on aura l'introduction open test ça c'est la première partie hein, qui dure 10 heures après il nous reste encore deux autres parties qui elle, est un peu plus chiante. Mais, euh... mais en vrai, ça va, ça se fait bien. Ça fait beaucoup de rappels en réseau parce que je suis une torche en réseau, mais sinon. Euh... Mais sinon, ça va. après le burp, le gros dégoût. Mais arrête, burp, c'est trop bien. C'est indispensable quand on fait du web euh, d'utiliser burp maintenant. Donc il euh... n'y donc, a pas trop le choix de l'introduire en fait. Puis même avoir une, une licence Super Pro, c'est pas très cher, hein. c'est 300 balles à l'année. Ça, ça revient à, je sais pas, genre 25 euros. 25 euros par mois. En vrai, c'est pas cher pour tout ce que tu peux faire avec. Hein. Si en plus de ça, tu fais du bug bounty, euh, je pense que tu peux très très vite le. Ah, attends. De quoi tu me parles Ah, c'est moi qui ai roté, J'ai même pas fait gaffe. Qui c'est qui a roté Je comprends rien. Par exemple, des mots simples. Des phrases simples. On pourrait dire ça pour Photoshop, mais je le paye pas. Ouais, bah après, chacun fait un peu ce qu'il veut. Hein. Mais, enfin, euh, tu me diras, Beurre Pro, je l'ai en entreprise, donc c'est l'entreprise qui paye. Mais, euh, mais en local, à la maison c'est que la version community, je crois, parce qu'après tout ce qui est brute force, on peut, on peut s'en passer, même si c'est bien pratique. Il y a des plugins qui sont fantastiques que la communauté a développé et, euh... et et comment dire Et en vrai, c'est plutôt cool à utiliser. Bon, allez, on va faire ça vite fait. TCP, UDP. Qui nous dit que TCP et UDP sont les protocoles de transport les plus euh, communs utilisés sur l'Internet mondial. Oh my God, comme disent les Américains. Euh, Deux pertes de paquets, machin truc. Ok. Euh, nan, 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 des autres choses. Tout, nan, nan, TCP. Donc TCP, ça garantit que le paquet est délivré. Livré, ça se dit oui, délivré. Euh, ok, et donc ça crée une connexion avant d'envoyer les données. Ce qu'il faut comprendre, donc, TCP ça garantit les données sont bien envoyées et c'est une connexion qui est dite orientée parce qu'on établit une connexion avant l'envoi de données. UDP par contre, c'est un peu la merde, enfin c'est la merde, on s'en fout, mais, bon. mais en gros, on dit juste qu'on envoie le paquet, on sait pas s'il si est bien reçu. Et il euh, n'y a pas d'établissement de la connexion comme on a pu le voir avant avec avec TCP. Euh, voilà. Donc UDP forcément est bien plus rapide que TCP parce qu'il n'y a pas de connexion qui est faite. Euh, et donc c'est utilisé dans des applications multimédia parce que du coup on a une tolérance à la perte de paquets. Donc UDP est utilisé pour V.O.I.P, donc la voix sur l'IP. Euh, donc souvent l'entreprise on fait de la VOIP. Euh, pour du streaming vidéo. Hashtag Twitch. Et, euh... et voilà. Je ne sais même pas si Twitch est en, en UDP. Faudrait voir. Euh, mais la comparaison du coup TCP du coup euh, et dans tes connexions, le... Enfin on, a... on garantit que... Euh, le paquet est délivré, pardon. Et, euh, et nous voilà. Et donc, du coup, c'est l'inverse pour l'UDP. UDP, on n'est pas sûr que le paquet était envoyé. Alors, on va voir la notion de port maintenant. Twitch est sur TCP donc TCP. Voilà, tout simplement. Question, réponse de Fabien. J'aime quand ça fonctionne aussi aussi simplement que ça. Euh, donc les ports ont, sont utilisés pour identifier un, un single network donc un process un réseau simple seul sur une machine. Donc on fait un IP de point de port voilà euh, typiquement 80, donc HTTP, 443, HTTPS, etc etc ok rien de pertinent dans la deuxième phrase donc on a un serveur web sur le port 80 un serveur mail un serveur mail sur le port 25 un web browser sur le port 3028 et un client mail sur le port 1022 voilà euh, donc... Donc, le client, enfin le PC du client, il va sur son navigateur internet et il va taper sur le serveur web, enfin sur un serveur web, sur le port 80. Typiquement, nous, quand on accède à, euh, genre Wikipédia, on y accède sur le port 443. Euh, bon, je te laisse, une sauvage, à bientôt pour de belles pâturages. Je dis n'importe quoi, à bientôt. <laughs> un petit peu n'importe quoi, oui. Passez une bonne soirée Valrod. Encore merci d'être passé. Euh, donc Le navigateur utilise un port local 3028 pour se connecter à un serveur web. Très bien. Alors que le client, enfin le, ouais, le client mail utilise le port 1022 pour se connecter à un serveur mail sur le port 25. Donc, on a un port source 3028 et un port destination le de 80 et on a un port source du coup de 1022 et un port destination de 25. Hum. Voilà donc c'est ce que j'aime dire. De plus on peut avoir des plusieurs instances d'une même application qui est en cours de route au même moment et donc chaque process va réserver un port différent. Par exemple là si on a deux euh, web browsers de lancer. Typiquement, si vous lancez Chrome et Firefox, ils vont ouvrir deux ports différents pour, pour aller taper sur le même serveur web. Euh, par exemple, à communique avec le serveur utilisant le port 3028 comme port source ici. Et du coup, on va changer. Et pareil pour du coup la machine B qui utilise du coup le port 8723. Très classique. Euh... Donc voilà, donc on fait IP2.port. Euh, mais comment est-ce qu'on peut connaître le bon port pour un service commun euh, Donc les ports. Ah oui, donc là c'est la notion de port. Sur une machine, il y a 65 300... 300... Attends, 65 535 ports. Et en gros, les ports de 0 à 1023-1024 en gros sont des ports connus, ils sont aussi réservés. Enfin, il y a plus de ports que ça qui sont réservés, mais les 1024 premiers ports sont des ports réservés. Typiquement, 443 GTPS, 25 on a vu c'était SMTP, 22 SSH, 21 FTP, 53 DNS, 88 Carverus, etc. etc. Bah tiens, on le dit en même temps, Fabien, comme c'est beau. J'ai mon nez qui coule, c'est fantastique. Il faut que je me mouche. A tout de suite. J'ai réveillé les voisins. On est content. Euh, et donc voilà un peu la, la liste des ports. Tout ne pas si c'est du nez. Mais non, faut pas dire ça. Euh, ok, pour SMB, euh, ok, on s'en fout. Voilà, on liste les ports les plus connus. Donc, NetBIOS avec 137, 138, 139. Il n'y a pas de 445, c'est bizarre, pour SMB. MySQL, MSSQL, etc. C'est des ports qui sont très connus. Et quand on fait des box assez régulièrement, ben on tombe facilement dessus. Euh... Ok on, on peut démoniser en gros le genre de ports pour des services Du coup pour rendre un peu plus, euh, un peu plus compliqué la, re, la recherche pour des hackers des ports qui sont ouverts Genre typiquement changer un port 21 pour du FTP sur du je sais pas genre 63000 ou du SSH sur un port 88-21 comme c'est marqué okay. ici euh, ok euh, voyons comment est-ce que sont utilisés les ports principe des honeypots aussi totalement totalement euh... non il faut passer au numéro faut plutôt euh... faire un banner grabbing sur le port pour voir vraiment ce qui tourne derrière Non, comment. Non, non, non. Machin truc, ok. Donc les headers TCP et UDP. Ça, en vrai, je m'en fous un peu du, du header. Euh, donc, si on prend un TCP, enfin le header, une trame TCP, on va avoir au début le port et la destination, enfin le port source plutôt, et le port de destination. Euh, et pareil du coup pour l'UDP. On a plein d'autres choses dedans aussi. Hein. Mais à la fin, il y a toujours les données. Pareil pour l'UDP. En fait, on, on voit que le, le TCP a un header beaucoup plus conséquent que l'UDP. Parce qu'il n'y a pas tout, cette, tout ce système de vérification, d'authentification, etc. Euh, donc voilà, on avance tranquillement. Je ne sais pas ce qu'il voulait nous dire là. C'est le même truc. Euh, UDP 4-4 champs. Exactement. Enfin, il y en a 5 là. Enfin, 4 champs dans le header, puis puis le, le payload, du coup, le donner quoi. Donc, NetStat, du coup, pour. Ah, euh... oh, c'est ça. Attends. Oui. Donc, 4 champs et 1 pour les données. C'est ce que je disais. Donc, NetStat, du coup, pour voir un peu les. Les ports qui sont en écoute, donc en gros, enfin, implicitement, les services qui sont lancés. Euh, TCP view, on s'en fout. We have seen that TCP connection oriented Et oui, donc le TCP, du coup, c'est un three-way handshake, qui est le SYN, SYNAC, HAC. Donc on, en, on se synchronise, on valide la synchronisation, et on valide tout court. Voilà. Je pense qu'on va voir rappeler. Hein. SYN et hack flag. Ok. SYN, sinac, hack. Voilà. On synchronise, on synchronise et on est d'accord, puis on est d'accord. En gros, c'est ça que ça veut dire, hein, un sinac. Uh -huh. Ok, ok, ok. Ouais, rien de très pertinent là-dessus. Et on a fini, du coup, cette partie-là. C'est vraiment du, du cours dans l'introduction. Il n'y a rien de, de compliqué de ouf là-dedans. Euh, des choses qu'on. Alors, ça, j'ai vu, vu ça où, moi Je pense que j'ai approché toutes ces notions en, en licence. Non, en DUT. Et du coup, je les ai entre guillemets affinés en licence. même si c'est vrai que j'ai, pas forcément beaucoup d'affects avec le réseau. Mais bon, il fallait au moins, euh, il faut au moins qu'on passe dessus pour être sûr qu'on n'oublie rien dans nos révisions, parce que si bien, on va, on va se taper. Euh... Enfin, c'est ce qui est arrivé à, à Mathias qui a passé la sortie. Il y avait des questions du coup sur la table de routage. Et, euh, et du coup c'était un peu compliqué pour lui vu que je pense qu'il avait, euh, avait pas révisé entièrement le cours. Euh, donc il s'est foiré sur cette partie-là. Autant prendre du temps pour tout bien revoir. Enfin tout bien. Pour repasser sur tout. Et euh, Et au moins on est tranquille. Bon, ce qu'on va faire... C'est qu'on va aller. On va aller raid un petit pote. Parce qu'on est sur une fin de live, les copains. On aura, on aura bien bossé, mine de rien. Je ne sais pas combien on est en, en avancement. Euh, je sais jamais comment on en Est-ce qu'on peut revenir en arrière Comme ça Return home. Oh my god. Learning path. C'est ici. On a fait 9%. Voilà. Du coup 10% en une soirée, en 10 soirs c'est fini. Moralement bon, ça peut être le cas lui. Bon. Euh, fini Ouais, on va... je vais m'arrêter là, vu que je me lève tôt. Enfin dans 7 heures, je suis debout, quoi. Donc, euh, donc oui. On va aller raid un, un petit pote. Qui s'appelle Zuko, il, là, il est en train de jouer à... à... Il est en train de jouer à comment ça s'appelle À Among Us avec des potes. Donc on va aller on va lui faire un petit coucou, soyez bienveillants. Merci pour, euh, pour votre attention. Des, des gros bisous à, à tout le monde. Passez une bonne semaine. On se retrouve vendredi. Euh, et voilà, portez-vous bien. Des, des bisous. <laughs>